Ben, bonsoir Camille, il y a autre chose. Salut à tous, c'est Gaïa, professeure des écoles en matière d'art plastique et remplaçante à temps partiel. Alors c'est fou que vous soyez là parce que je reviens justement d'une sortie plongée sous-marine avec mes petits loups. C'était incroyable, la vie aquatique, tout ça, les crabes, les méduses, les requins. Ils ont tellement de chance de voir tout ça à 8 ans. Je les ai emmenés faire de la plongée parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un remplacement pour un cours de sciences et vie. Mmh. Et comme j'avais la flemme, je leur ai montré les dents de la mer, le film, oui. Pour qu'ils en apprennent un peu plus sur le monde de l'eau. Bon, sauf que les parents n'étaient pas contents. Ils m'ont appelé pour prétexter que le film était trop violent et maintenant les enfants ont peur de l'eau. Bon. Alors comme je suis quelqu'un de responsable, je me suis dit qu'il fallait tout de suite désamorcer le trauma. C'est pour ça que j'ai organisé cette petite sortie sur le terrain. Alors c'était super. Cette escapade en mer, mais le problème c'est que apparemment, alors à cause des requins, il faudrait les mettre dans des cages. Non mais ça va pas, qu'est-ce que ça veut dire de mettre des enfants dans des cages? Alors c'est ça l'éducation, les priver de leur liberté, les empêcher de s'épanouir et d'expérimenter par eux-mêmes? Moi je refuse d'être enfermée dans une cage, alors je suis pas allée, je suis restée sur le bateau. Mais les enfants qui étaient d'accord avec le système, ils sont allés, ils ont plongé. Oui. Moi, je suis restée avec le capitaine, on a discuté de la pluie et du beau temps. Mais il s'y connaît hyper bien en météo. Hein. Il m'a dit que demain matin, c'était tout pluvieux en France. On attend même des éclairs du côté de Caen. Mmh. Et puis alors, on va se les geler, il va faire 0 degré à Gap et à Bordeaux aussi. Et l'après-midi, il va peut-être même neiger à Metz. À Metz. Mais en bas, vers la Méditerranée, c'est toujours aussi ensoleillé. Il fera 13 degrés à Montpellier et en Corse, carrément 15 degrés. Enfin, c'était tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer. Du coup, les petits loups sont restés en bas. Bon, d'ailleurs, je vous laisse avec les guignols parce qu'il faut que j'aille les chercher. Bonne soirée.